putain, ça fait deux jours que personne n'arrive à te joindre. T'es passé où, bordel? On a annulé la réunion sur site, j'ai dû renvoyer chez lui le ministre, je te couvre depuis 24 heures. Tu sais très bien ce qu'on fait avec ce genre d'isement. On leur donne du boulot, on fait marcher le business. Et tout le monde nous attend ici. Alors à quel moment tu t'es découvert une conscience écologique? Hein? Depuis quand? C'est pas demain qu'on pourra se servir comme ça. C'est ce gouvernement qui nous a donné le feu vert. Et c'est celui d'après qui va gérer les conséquences. Et tu sais très bien que nous, on sera déjà loin. On peut pas laisser passer ça. Si c'est pas nous, c'est d'autres qu'il faut. Bon, écoute, si t'es pas de retour au siège sous 24 heures, tu sais très bien que tu perds tes parts. Rappelle. Courir. Mélanger rêve et réalité. Espérer que cette réalité ne soit qu'un rêve et partir affronter cette tempête qui arrive. Le froid glace mon visage. La neige craque sous mes pieds. Ce bois qui vit. Cette plaine qui dort. Ce bitume que je bats. J'ai passé mon temps à consumer ce monde, à puiser son énergie sans jamais trop dépenser la mienne. Je dois maintenant prendre le temps d'aller plus vite. Plus vite que le temps lui-même, si je veux changer les choses. Je cours, j'accélère. Sans savoir où cette route va me mener. Ma sueur n'est que glace, mais mes pensées, elles, ne gèlent pas. Cette nature m'interpelle. Pourquoi maintenant? Pourquoi si tard? Ce point de non-retour. Cette réalité qui me rattrape, comment ne pas y penser? Mais qu'avons-nous fait? Le soleil réchauffe mon âme. Respiration. Une respiration.